Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, enfin, parce que je crois que ça va peut-être 4-5 jours que j'ai pas fait cette vidéo et comme vous avez l'habitude d'en avoir tous les 3 jours, voilà, c'est juste qu'en ce moment j'étais un peu contrariée donc du coup j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Donc en fait je vous fais une vidéo changement et en même temps nouvelle assez rapidement, voilà. Je sais, c'est pas très varié les vidéos que je fais, mais en même temps j'ai pas trop d'idées donc dites-moi. Voilà les bébés de Layla. Donc là, ils mangent. J'ai un peu changé, voilà, j'ai mis la petite maison là-bas. Là, ils ont des nouveaux trucs. Donc je vous fais en même temps, bah, j'ai fait une commande aux animaux. Donc j'ai commandé ce râtelier parce qu'ils n'en avaient pas. Voilà. J'ai commandé ce rondin. Donc ça, c'est le grand modèle. Et voilà le petit modèle. Donc là, quand je mets un truc de nouveau, la maman vient tout de suite sentir. Voilà, donc eux, ils vont super bien. Je pense que je vais en garder deux finalement. Je vais garder la blanc et marron et celle-ci. Voilà. Parce que je suis partagée et je sais vraiment pas lequel prendre. Donc voilà pour les bébés. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a eu du changement. Les cages ne sont plus au fond comme elles ne l'étaient. Elles sont à côté de l'enclos. Donc désolée pour les voitures qui passent. Donc voilà. Là, c'est les cages libres. Donc ici, on a Chana, qui est ici. Alors, on la verra peut-être un peu mieux, mais bon, voilà, ça change pas. Elle va bientôt mettre bas, dans 9-10 jours, donc voilà. De toute façon, je vous ferai bah, des vidéos comme Layla, de toute manière, évolution des bébés. Donc, elle va super bien, elle grossit bien et tout. Ensuite, il y a Doudou en dessous, mais pareil, on verra pas. Ça, c'est super dommage parce qu'il fait super noir dans mon garage. Voilà. Et là-bas, il y a Winnie. Donc, les mâles sont toujours l'un à côté de l'autre. Voilà. Et au-dessus, il y a la cage que Layla reprendra dans pareil 10 jours quand ses bébés seront sevrés. Voilà. Ensuite, derrière les poussettes, il y a le foin. Voilà. Et ici, ça n'a pas changé. Voilà, Lily est là. Woody qui est dehors, je vais vous le montrer après, et en dessous Speedy. Voilà. Donc ensuite le clapier qu'on m'a donné, il se retrouve là, à l'entrée. Voilà, pour l'instant il n'y a personne qui est dedans. Et donc je vais vous montrer Woody. Donc voilà Woody. J'ai commandé un nouveau enclos comme ça, et du coup je les mets dedans. Donc il est un peu mal foutu l'enclos, mais bon, trop tard maintenant. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà, Woody, c'est la première fois qu'on voit super bien lui. Donc il creuse, voilà. Il s'éclate à faire ça à chaque fois que je les mets. Donc là, il y a eu Speedy juste avant. Voilà, qui restait une bonne heure déjà. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Je sais, c'est super court, mais en même temps, voilà, c'est juste pour vous donner des nouvelles et vous montrer les changements qu'il y a eu. Voilà, donc les petits bébés vont très très bien. Donc sinon, bah ça donne ça le reste. Voilà. Et donc le clapier qui est ici, qui a personne dedans. Donc c'est bien parce que la fin qu'il y aura dedans, on le verra toujours super bien. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.